dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter très rapidement un broker voyou, un broker escroc, afin de ne pas se faire avoir. Je reçois sur mon blog ou sur le forum, quasiment de manière quotidienne, des témoignages de gens qui se sont fait totalement arnaquer, qui ont envoyé 1000 euros, 2000, jusqu'à 50 000 euros. Hélas, ce triste record dont j'ai pu avoir connaissance, à des brokers qui se trouvent, ben, les gens ne savent même pas. Tout simplement parce qu'ils arrivent sur un site web où il y a marqué broker et en disant envoyez votre argent grosso modo et vous allez pouvoir trader. Les gens y vont, ils font des virements et ils n'ont aucune idée à qui ils ont envoyé leur argent. Et tous ces brokers bidons se trouvent dans les paradis fiscaux, aux îles Vierges britanniques, aux Bahamas, etc. Alors pourquoi ils vont dans des paradis fiscaux? C'est pas pour essayer du tout de gruger le fisc, pas du tout, c'est pour gruger les gens, les traders, parce qu'ils ne sont pas du tout contrôlés dans ces paradis fiscaux. Donc, vous, moi, en moins de 48 heures, on peut se déclarer broker, car on n'a besoin d'aucune autorisation légale, il n'y a absolument aucun contrôle dans ce type de pays. Il n'y a pas vraiment d'autorité de régulation et elles sont, ce moment qu'on puisse dire, on ne peut plus laxistes. Donc, pour savoir si un broker est un broker bidon, hein, en fait le terme broker n'est même pas adapté, ce n'est pas des brokers ni des courtiers, simplement des escrocs qui créent un site web, arnaquent les gens leur envoient leur argent et ils ne revoient jamais leur argent, absolument jamais. Et quand ils ont trop de problèmes, quand le site commence à être connu pour arnaquer les gens, qu'est-ce qu'ils font? Extrêmement simple, ils ferment le site. Et puis c'est fini. Et ils en ouvrent un autre à côté. Hein, pour créer un site de broker, entre guillemets, une fois que vous avez les templates pour régénérer le site, ça va vous prendre 5 minutes. Vous achetez un nom de domaine, vous changez le titre, et vous quelques couleurs, et vous avez d'un seul coup un nouveau broker qui apparaît sans aucune régulation, sans aucune autorisation. Donc le premier réflexe, c'est déjà d'aller voir sur le site de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, la liste des brokers que l'AMF blacklist. Donc c'est vraiment la liste noire. Si vous êtes chez ce broker, c'est même pas la peine de rêver, c'est une arnaque. C'est-à-dire que l'AMF, par exemple, avec tous ses pouvoirs de police, a été absolument incapable d'identifier les propriétaires de ce site, car ils se camouflent. Effectivement, les escrocs se camouflent. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de repérer les sites qui se camouflent. Premier point, c'est totalement illégal. Donc déjà, si vous avez un broker qui est dans l'illégalité, ce n'est pas un bon signe pour pouvoir retrouver votre argent. Et deux, ça permet de repérer, pas avant l'AMF, parce que l'AMF est une autorité de régulation publique, autonome, et il y a une certaine lourdeur administrative. Ils doivent prouver que ce broker, escroque les gens, arnaque les gens, ils font une enquête de police qui prend du temps, mais ces brokers peuvent créer 10, 20, 30 sites par jour. Donc l'AMF ne peut pas réagir en temps réel. Donc ce que je vous propose, c'est vous, si vous avez un doute sur un broker, et de toute façon, même si vous n'avez pas de doute, faites-le, c'est une vérification indispensable, d'aller voir l'identité de la personne qui détient ce site web. S'il camoufle l'identité, vous fuyez le broker. Donc on va voir, c'est une méthode extrêmement simple pour pouvoir voir si déjà le site web ou le broker tente de camoufler son identité, ça vous prend 3 minutes. Et si vous trouvez que ce broker camoufle son identité, vous le fuyez. Vous le fuyez. S'il camoufle son identité, il peut partir avec votre argent du jour au lendemain. Et tous les mois, on a des gens qui viennent pleurer sur les forums en disant « Le site a fermé, il n'y a pas d'adresse, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, tu ne peux strictement rien faire. Enfin, si tu peux prendre un avion, aller aux Bahamas, trouver un avocat sur place pour attaquer une société qui n'existe plus, qui a totalement disparu, dont on ne connaît même pas les propriétaires. Donc l'argent disparu. Donc on va voir ça.
Donc, nous allons voir le who is des sites internet, des brokers. Alors, le who is, c'est la carte d'identité des propriétaires du site. Donc, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez who is et tous ces sites pourront vous renseigner. Alors, j'aime bien utiliser un site qui s'appelle Neodomain. Donc vous tapez Neodomain voilà, donc c'est le premier résultat sur Google parce qu'il vous donne des résultats instantanément et très rapidement. Donc on va aller analyser déjà quelques brokers blacklistés par l'AMF et on va voir qu'il y a un schéma récurrent pour camoufler leur identité. Donc là c'est un article que j'ai écrit sur les brokers à fuir. Et donc voici la dernière liste la dernière liste à jour de l'AMF sur certains brokers interdits. Là, c'est uniquement la liste des brokers non autorisés en France pour le forex. Uniquement. Vous avez encore des brokers binaires, etc. Donc voilà une liste précise. Donc on va prendre un de ces brokers et on va analyser le WIS de ce broker interdit donc en France. Et on se retrouve avec un WIS tout à fait classique qui est ce qu'on appelle anonymisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir qui est derrière. En effet, la personne qui a enregistré ce nom de domaine a payé en plus de l'argent pour être anonyme. Et c'est là où vous le voyez. Lorsque vous voyez par exemple domaine by proxy ou registration private, là vous n'avez pas accès aux données de la personne qui a acheté le nom de domaine et la personne qui gère ce site web. Donc c'est rigoureusement interdit par la loi dans tous les pays du monde. Hein. À partir du moment où vous êtes une société, vous devez avoir entre guillemets pignon sur rue. Si vous vous cachez et que vous prétendez une société, c'est que soit vous travaillez au black, soit que vous êtes totalement dans l'illégalité. Donc là, on a l'exemple type du broker, donc tradaxa.com, qui est dans l'illégalité la plus complète, puisqu'il se cache derrière un proxy qui anonymise toutes ces données. Alors, c'est GoDaddy qui fait ça, donc c'est un site web bien connu pour faire cela, mais c'est pas le seul. Hein. Donc on va prendre un autre broker dans la liste, hein, le connu de manière très négative Biforex. On recherche et Biforex, lui aussi. Il est chez GoDaddy et toutes les données sont complètement anonymisées. Donc vous ne pouvez absolument pas savoir qui se trouve derrière. Donc camoufler ce qu'on appelle le who is, donc la carte d'identité d'un site, c'est ce que font tous les sites illégaux, les sites de téléchargement, les sites de streaming, les sites de piratage, etc. Et c'est une manière assez efficace de gagner du temps quand il y a une enquête de police. Là, l'autorité judiciaire doit contacter GoDaddy, qui a un délai de réponse de 2 ou 3 mois, etc. Donc ça va prendre énormément de temps pour identifier la personne. Et d'ici là, le broker a totalement disparu. Donc on peut s'amuser à faire la liste de tous ces brokers. Mais ça va être un peu long et un petit peu inutile. Allez, on va tenter celui-là. Il est lui aussi chez GoDaddy. Mais c'est important, lui aussi chez GoDaddy, lui aussi anonymisé. Par contre, c'est important. Ce n'est pas parce que le broker aura une carte de visite tout à fait honnête, qui ne camouflera pas son identité, que c'est un bon broker et qu'il est dans la légalité. Hein. Donc on va essayer ce broker-là, NettoTrade.
Voilà, donc lui, il ne camoufle pas son identité. Vous avez effectivement son adresse et vous voyez qu'il se trouve à Belize, dans l'État, dans le paradis fiscal de Belize. Donc là aussi, blacklisté AMF, paradis fiscal, vous n'avez aucune chance d'avoir un broker correct et de retrouver votre argent. Alors, il faut se méfier aussi des brokers qui vont vous donner des identités entre guillemets qui ont l'air d'être tout à fait bonnes. Alors là, je vais essayer d'en trouver un. Alors, par exemple, ce broker-là, EcoTrader, il a fermé ses portes il y a 4 jours. Le site est inaccessible, totalement effacé. Et là, on a des dizaines, centaines de personnes qui viennent sur les forums pour pleurer en disant, mais où est mon argent? Où est-ce qu'ils sont passés? Bah oui, mais ils avaient ouvert chez un broker interdit AMF. Quand on regardait le WIS de ce broker, il était totalement bidon aussi. Donc il faut pas s'étonner. Et ils ont absolument aucune possibilité de s'en sortir. Je vais éteindre mon iPhone parce que là j'ai message sur message. Voilà. Donc on va regarder un autre broker interdit par l'AMF. Donc ce broker interdit par l'AMF ne camoufle pas son WIS, mais il est aussi lui sur un paradis fiscal hein, dans les îles Vierges britanniques, donc sans aucune législation ou réglementation. Vous pouvez trouver des brokers qui ont des adresses en Angleterre. Alors là, ce n'est pas parce que l'adresse est en Angleterre que c'est un broker qui est fiable. Faut ensuite voir s'il est autorisé par le Royaume-Uni à être broker, c'est comme si c'était une activité réglementée. Alors j'ai repéré quelques brokers qui, par exemple, ont une adresse à Londres, rassurante. En fait, ils se trouvent à Belize, dans les paradis fiscaux. Ils ont simplement ouvert ce qu'on appelle un bureau de représentation. C'est-à-dire, c'est une simple adresse où on leur renvoie le courrier. Donc, ça peut, entre guillemets, rassurer les gens en se disant, oh, ben, c'est bon, ils sont à Londres. Pas du tout, ils sont dans un obscur paradis fiscal dépendant du Royaume-Uni. Et maintenant, c'est l'iPad qui arrête pas de sonner. Je ne vais pas refaire la vidéo. Hein, mais comme ça, vous voyez, c'est du direct. Voilà. Donc, ce n'est voilà, j'insiste sur le fait que si vous voyez que le WIS est anonyme, type GoDaddy, vous fuyez totalement, c'est même pas la peine de réfléchir. Si vous voyez qu'il se trouve dans les paradis fiscaux comme Tortola, dans les îles Vierges britanniques, vous fuyez tout de suite. Et s'il a une adresse qui paraît entre guillemets tout à fait normale, ça ne veut pas dire que c'est un bon broker, puisque le WIS, vous pouvez mettre des fausses informations. Après, cela va être des recherches un peu plus poussées que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais là c'est beaucoup beaucoup plus technique parce qu'il faut aller directement se renseigner dans les registres des autorités de régulation et dans les chambres de commerce des pays étrangers. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà cette vidéo entre guillemets de prévention. Faites-la circuler si vous le pouvez pour éviter à des dizaines, centaines, milliers de personnes de se faire rouler par bah, ces salopards, tout simplement, ces escrocs.